Bonjour, c'est Aurélie Ashrafi pour La Rose Bleue. Je vous propose une visualisation pour activer sa conscience christique avec le dragon christique doré. La conscience christique, c'est la lumière divine, c'est l'amour, l'amour inconditionnel, c'est ce que nous sommes en vérité. C'est la fréquence de notre essence, c'est notre âme. C'est ce qui nous permet de créer le paradis sur terre, de nous recréer les vies paradisiaques que nous rêvons. Elle a été enfouie et oubliée sous des couches d'ego négatif et de négativité lorsque nous nous sommes identifiés à la matière, à nos corps, que nous avons oublié que nous étions Dieu, que nous avons oublié notre lien avec le grand tout, avec la source, que nous avions oublié qui nous sommes vraiment. Dans cette visualisation, nous allons d'une part demander l'aide du dragon christique doré pour purifier de l'extérieur toute cette négativité, tout l'ego négatif qui nous empêche de reconnaître en nous cette conscience christique, cette lumière divine. Lui demander de nous aider à réactiver la conscience christique en nous et l'amour inconditionnel, afin que depuis l'intérieur, cette lumière s'éveille, se réveille, brille de plus en plus fort pour nous aider à enlever cette négativité, à la purifier depuis l'intérieur, pour nous libérer, nous rappeler de plus en plus notre divinité, pour nous permettre de manifester à nouveau le paradis sur terre, dans nos vies, pour l'avènement du nouvel âge d'or, pour notre plus haut bien et celui de tous. Alors vous allez vous installer dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, assis ou couché, le corps reposant complètement. Et vous allez prendre une grande inspiration dans votre centre du cœur. Et à l'expire, relâchez toutes vos tensions, physiques, mentales, émotionnelles. Tout ceci s'en va loin, loin, loin avec l'air que vous expirez. Les épaules retombent, le cou se détend, la tête redevient libre, tous les muscles se relâchent. Votre respiration s'approfondit à mesure que vous vous détendez de plus en plus. Toutes les pensées et les émotions s'envolent légèrement loin, 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 et un calme profond s'installe en vous. Vous voyez votre centre du cœur briller d'une lumière blanc dorée, de plus en plus vive, et ce centre du cœur s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre. Vous portez votre attention sous vos pieds, sur votre chakra étoile de la terre, et vous voyez cette merveilleuse boule argentée se connecter avec votre chakra du cœur, avec sa lumière, en même temps qu'il vous ancre profondément dans la terre, en envoyant aussi sa lumière vers le bas, pour s'ancrer dans le cœur de Dame Gaïa. Vous êtes ancré parfaitement dans l'amour de la planète et dans l'amour que vous êtes. Puis, vous portez votre attention sur votre chakra porte des étoiles. Vous voyez sa lumière orange dorée
briller de plus en plus fort, s'étendre, se connecter à votre chakra du cœur et à l'énergie du chakra étoile de la Terre, en même temps qu'il se connecte à tout l'amour du cosmos pour vous ancrer profondément en lui. Vous êtes parfaitement ancré et centré dans l'amour du ciel et de la terre. Respirez ces merveilleuses lumières dans votre cœur qui s'étend et s'ouvre encore plus. Et vous êtes encore plus détendu, plus relaxé. Cette détente profonde prépare toutes les cellules de votre corps physique à recevoir encore plus d'amour et à nettoyer encore plus de négativité. Vous préparez tous vos corps à cette transformation. Vous regardez dans le cosmos, au milieu des étoiles, et vous voyez une petite lumière dorée qui s'approche de vous petit à petit, en descendant du ciel, elle s'approche, et vous voyez qu'elle a des ailes magnifiques, d'un or éblouissant. Et à mesure qu'elle s'approche encore plus de vous, vous voyez qu'il s'agit d'un magnifique dragon christique doré qui vient d'abord tournoyer autour de vous, vous entourant de sa merveilleuse lumière scintillante avant de se poser devant vous. Alors qu'il est là, dressé devant vous, vous voyez son cœur et ses ailes briller d'une lumière dorée éblouissante. Il vous regarde dans les yeux. Votre esprit est émerveillé par tout l'amour doré qu'il y a dans ce regard. Il vous reconnaît, vous honore et vous aime inconditionnellement. À cet accueil, votre cœur s'ouvre encore plus et se remplit d'amour. Respirez cette lumière christique. Alors vous demandez à ce magnifique dragon de souffler sa flamme christique dorée dans votre corps physique, puis dans votre corps mental, dans votre corps émotionnel, dans votre corps spirituel, votre aura et vos champs énergétiques, pour que cette flamme vienne purifier toute négativité, toute trace d'ego négatif, issue de blessures, de traumas, d'expériences, de tout type d'expériences, de tous vos choix à travers toutes vos vies, toutes vos incarnations dans cet univers. Et cette flamme de purification vous envahit entièrement et vous enveloppe. Et tout en vous purifiant de cette négativité, elle vous protège. Vous êtes devenu entièrement doré et vous vous sentez vous alléger peu à peu de toute cette négativité, de tous les liens qui vous y attachent. Et vous vous libérez
Le dragon christique doré, grâce à sa merveilleuse flamme, transforme toute votre négativité en pureté et en perfection de Dieu. Baignez quelques instants dans cette merveilleuse flamme. Puis, vous demandez au dragon christique doré de souffler sa merveilleuse flamme dans tous vos chakras afin de les purifier aussi dans les moindres recoins de chacune de leurs chambres, toute négativité, tout souvenir et attachement aux expériences négatives, aux mauvais choix, à l'oubli, la séparation, la culpabilité et tout ce qui vous coupe de la source et de votre essence divine, de votre conscience christique. Vous le voyez souffler sa flamme dorée sur votre chakra porte des étoiles. Puis, il descend sur votre chakra étoile de l'âme pour effectuer cette purification dans toutes vos vies passées. Il descend dans votre chakra causal et tous vos chakras sont remplis de cette lumière dorée qui vient teinter leur couleur et s'entoure d'une bulle de protection de cette lumière christique dorée. Maintenant, il souffle sa flamme sur le lotus à 1000 pétales de votre chakra coronal. Dont la lumière s'intensifie magnifiquement avec cette flamme dorée. Puis, il souffle sa flamme dans votre troisième œil. Dans votre alta majeur, dans votre gorge, dans votre cœur supérieur pour l'ouvrir et le déverrouiller entièrement, vous sentez même votre corps physique se débloquer à cet endroit, se détendre encore plus. Puis, il souffle sa lumière dans votre chakra du cœur, qui devient immense, immense, à tel point que vous voyez vous aussi que vous développez des ailes dorées d'amour inconditionnel, de votre lumière divine. Puis, il descend dans votre chakra du plexus solaire, dans votre chakra du nombril, dans votre chakra sacré, dans votre chakra racine, pour dégager toute négativité liée à l'expérience terrestre et vous aider à commencer à déverser votre lumière divine, votre essence christique sur Terre pour rayonner un peu plus chaque jour vos qualités d'amour, de paix, de sagesse, d'harmonie autour de vous et dans votre vie, dans vos relations. Puis, il souffle sa lumière dans votre chakra étoile de la terre,
et le rayonnement de sa flamme christique touche aussi la terre et descend dans la terre pour purifier et bénir la terre au-dessous de vous et l'espace autour de vous. Puis, il remonte, soufflez sa flamme christique dorée dans votre jonction solaire et en même temps, entourez tout votre Merkaba, l'enveloppez et le baignez de sa lumière christique dorée pour activer votre corps cristallin de lumière et le renforcer. Maintenant que vous êtes beaucoup plus pur, plus léger, soulagé et libéré d'un gros fardeau de négativité, le dragon christique doré forme dans sa bouche une orbe de lumière christique dorée qui contient la première des sept qualités christiques, la pureté. Et il souffle cette boule et il souffle cette orbe qui flotte doucement jusqu'à votre chakra du cœur pour y entrer et s'y fondre. Vous absorbez cette qualité christique dans votre centre du cœur qui à partir de là vient se diffuser dans tout votre être. Puis le dragon christique doré forme une deuxième orbe dans sa bouche qui contient la deuxième qualité christique de patience, qualité très précieuse que l'ego négatif nous a ravis beaucoup plus que les autres et elle flotte jusqu'à votre centre du cœur pour y pénétrer, s'y fondre et se diffuser dans tout votre être. Absorbez cette qualité. Puis, il forme une troisième orbe dorée dans sa bouche qui contient la troisième qualité christique de gentillesse. Et cette orbe flotte jusqu'à votre cœur pour s'y fondre et se diffuser dans tout votre être. Absorbez la gentillesse. Vous la sentez se diffuser partout, dans toutes vos cellules, comme une vague de lumière dorée. Puis le dragon christique doré forme une quatrième orbe dorée dans sa bouche qui contient la générosité. Et cette orbe flotte jusqu'à votre cœur pour y entrer, s'y fondre et se diffuser dans tout votre être. Vous sentez en vous peu à peu monter une lumière et une énergie extraordinaire. C'est votre conscience christique qui s'éveille à nouveau, activée par l'énergie du dragon christique doré et les qualités christiques. Elle s'étend, s'éveille, éveille sa puissance pour remonter à la surface de votre être, pour se réaliser, se manifester dans la réalité physique quotidienne, dans votre vie. Alors, le dragon christique doré forme une cinquième orbe. Cette orbe dorée contient la qualité christique de discipline qui flotte jusqu'à votre cœur pour s'y fondre et se déverser dans tout votre être. Vous absorbez cette qualité essentielle
pour réussir sa vie et avancer sur son chemin d'ascension. Peut-être avez-vous des sensations dans votre chakra racine qui est reliée directement à cette qualité et qui se met à briller un peu plus fort. Puis, le dragon christique doré forme une sixième orbe dans sa bouche qui contient la qualité christique de diligence. Et vous voyez cette orbe flotter jusqu'à vous, se fondre dans votre cœur et se diffuser dans tout votre être. Vous l'absorbez. Votre essence divine s'éveille de plus en plus et commence à rayonner autour de vous, à inonder tous vos corps, toutes vos cellules, tout votre être, votre aura, de sa lumière puissante et extraordinaire, merveilleuse. C'est ce que vous êtes, vraiment. Votre être véritable attend la dernière orbe que le dragon forme dans sa bouche et qui contient la qualité christique de l'humilité qui flotte jusqu'à votre cœur, vient s'y fondre et se diffuser dans tout votre être pour continuer le réveil de la conscience christique en vous, de votre être véritable. Cette merveilleuse lumière, omnisciente, omnipotente et immortelle, ce que vous êtes vraiment. Vous vous remplissez de cette énergie nouvelle, vous accueillez le profond éveil de votre être avec une grande joie, une profonde gratitude et la sensation très forte d'avoir enfin trouvé ce que vous cherchiez depuis tout ce temps, d'avoir enfin compris qui vous êtes. En voyant votre rayonnement augmenter, votre être s'éveiller, le dragon christique doré, dont le cœur éblouissant de lumière dorée, est ouvert, grand, tellement grand, il est éblouissant comme le soleil. Et de ce cœur, il fait émerger un rayon de sa lumière et de son amour inconditionnel qui se dirige jusque dans votre cœur pour relier vos deux cœurs afin de remplir le vôtre d'un amour inconditionnel, incroyable, puissant, magnifique, qui renforce encore l'amour en vous, qui renforce encore votre essence divine, la conscience christique que vous êtes, dont la puissance va éliminer maintenant facilement tout obstacle, toute négativité, toute blessure, tout trauma, pour imposer son rayonnement d'amour magnifique. Vous rayonnez cette lumière christique tout autour de vous, tout ce qu'il y a autour de vous, tout l'espace, les êtres vivants, les personnes, les objets, les bâtiments sont entièrement purifiés, illuminés par cette merveilleuse lumière d'amour inconditionnel et de toutes ses qualités christiques. Et cette lumière qui brille en vous comme une merveilleuse étoile du cosmos, d'une géante dorée, c'est vous-même,
c'est ce que vous êtes vraiment. Votre foi en vous-même et en la source est maintenant parfaitement installée et inébranlable. Vous voyez tout et tout le monde avec un regard divin. Vous voyez que tout est amour inconditionnel, que tout est lumière divine, que tout le monde est cette lumière. C'est absolument merveilleux. Vous voyez à nouveau la Terre comme étant le paradis qu'elle est. Vous voyez toutes les personnes que vous croisez comme étant des êtres de lumière, les vrais êtres divins qu'ils sont. Tout est sublimé. La vérité vous apparaît enfin et vous ne vous laisserez plus jamais tromper par le glamour, par l'ego négatif et les identifications à la matière. Vous accueillez le grand tout en vous, dans votre cœur immense. Et vous sentez que vous êtes à nouveau unifié avec ce grand tout. Puis, le dragon christique doré ramène à lui ce rayon christique qui vous unissait. Vous le remerciez infiniment pour son aide et sa lumière. Et vous le voyez s'envoler à nouveau dans les cieux. Et vous savez qu'à tout moment, vous pouvez appeler son aide pour renforcer en vous votre conscience christique et votre lumière, et aussi pour bénir toutes les personnes, tous les êtres vivants, les situations, les endroits et toute autre chose qui a besoin de réactiver cette lumière christique et divine en elle, pour être élevée à des fréquences supérieures d'amour, de pureté, pour à nouveau transformer toute négativité en pureté et perfection de Dieu. Et vous revenez peu à peu en vous, dans votre corps, qui a été mis à jour et peut accueillir sans difficulté cette lumière magnifique, puissante, très élevée, que vous éveillez en vous, que vous êtes vraiment. Et vous vous éveillez peu à peu, en sachant que vous allez pouvoir manifester votre vie de tous les jours à travers un nouveau regard, à travers une nouvelle énergie, puissante, remplie des qualités christiques et d'amour inconditionnel. Vous savez que vous pouvez aussi appeler la flamme christique dorée à tout instant pour tout ce que vous avez besoin de purifier et ou de protéger. Maintenant que vous êtes parfaitement revenu dans votre corps, vous ouvrez les yeux en portant un nouveau regard éclairé sur ce que vous êtes vraiment et sur le merveilleux paradis dans lequel vous avez la chance incroyable d'être incarné. Merci.